Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, vidéo Solex. Je me trouve à l'occasion du Rockabillette 2024. Voilà, 2024, il y a déjà 10 ans. Déjà 10 ans que le Rockabillette a été créé en 2014. Enfin, il a été lancé en 2014, voilà. Donc, je me trouve pas à Luzy, mais à Issy-l'Évêque, au camping. Voilà, au camping de Issy-l'Évêque. Donc, je me suis trouvé un petit coin tranquille pour pouvoir dormir la nuit, parce que le lendemain, je fais les balades du samedi, la balade du dimanche. Voilà, les deux balades. Donc, je voulais me trouver un coin plus calme. Voilà, donc là on est le vendredi 26 juillet, je vais me rendre à Luzy. Voilà, je vais me déplacer sur place à Luzy et je vais vous montrer cette première soirée, puisque je vais participer au concert du vendredi soir et du samedi soir en plus des balades. Allez, c'est parti pour ce week-end festival Rockabillette 2024. Voilà, ça y est les passionnés, je suis à Luzy, voilà, ça y est, au cœur du festival Rockabillette. Donc on est toujours le vendredi, hein, voilà. Ça y est, enfin je suis là. C'est un peu long de faire les 12 km à Solex. Bon, je prends que le téléphone parce que je me suis pris léger. Demain il y aura les caméras, ce sera beaucoup mieux. Voilà, attends, je vais te montrer le festival. Hop, je change de sens. Alors, je change de sens. Voilà, il y a le grand chapiteau du festival. La buvette qui est là. Voilà. La buvette. Le coin pour t'asseoir et te restaurer. Si tu vas à l'ombre ou en plein soleil. Mais là, et le soleil n'est plus là, tant mieux. Et puis j'ai aperçu Julien, le président du festival. Je vais lui dire bonjour. Tiens. Je vais lui dire bonjour. Et puis je vais lui montrer quelques extraits de la soirée. Et demain matin, ce sera la balade pour moi. Allez, c'est parti pour ces 2-3 jours, enfin ces 3 jours de festival, enfin 2 jours et demi, puisque le vendredi est déjà bien entamé, 2 jours de festival pour le Rockabillette 2024. Nous sommes le lendemain du Rockabillette. Nous sommes le samedi 27, voilà, samedi 27, donc c'est l'heure de la balade. Toutes les mobilettes sont rassemblées ici, voilà. Voilà, il y en a encore ici, voilà. Donc c'est le début de la balade. Je vais te montrer ça en caméra embarquée. Et puis on va faire cette balade du matin. Et bien sûr, tout au long de la journée, je vais aussi montrer la journée du samedi du Rockabillette. Allez, c'est parti pour cette journée de samedi.
voilà les passionnés, nous sommes arrêtés au bord du plan d'eau de la Nocle Moclet. La Nocle Moclet. Alors je peux peut-être me tromper sur la Nocle Morlaix, mais je dirais plus la Nocle Moclet. Je vous mettrai l'infobulle, voilà, enfin une petite info d'étoile en bas de la vidéo. Donc là c'est la pause à mi-parcours de cette première balade de samedi. Et je vais te montrer, regarde, toute, il y a le petit coin bar qui est là-bas. Et tous les cyclos qui sont là-bas. Là-bas, je pense qu'on doit être 150, un truc comme ça, ou 200, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, je dirais plus 200 parce qu'il y en a de chaque côté du petit chemin là. Voilà, et juste en face, tu vois, avec le casque blanc, voilà, il y a mon Solex, mon 3100 laboratoire, la fameuse merguez. Voilà, voilà, donc c'est le petit moment en pause, et puis je vais boire un petit coup, et puis voilà, je vais aller aussi, histoire de souffler un peu. Ça va, c'est relativement plat, j'ai quand même un petit peu pédalé, mais demain ce sera un peu plus corsé, puisqu'on va se faire les monts du Morvan, voilà, puisqu'on est en plein sud du Morvan, voilà, là, par rapport à l'usine dans la Nièvre. Donc on va se faire demain la balade un peu plus vallonneuse, voilà. Bon allez, on continue cette journée. Donc là c'est le petit point boisson avec du café, de l'eau, des jus de fruits, de l'oasis. Voilà. C'est le petit moment pour se reprendre un peu d'hydratation et des forces. Voilà. Un petit coup d'oasis. Puis moi ça va être pareil mon tour. Bon bah voilà, ça y est, c'est la fin de la pause, donc les participants enfourchent la machine, voilà. Et pour moi aussi, retour l'usine, direction le festival. Allez, on continue. Bon bah voilà les passionnés, je suis à bord d'un petit tracteur tondeuse, voilà. C'est un peu le truc barré quoi, ça fait un bar remorque bar, voilà. C'est assez sympa. Je suis emmené par les mecs, sympa, je lui ai dit, il faut venir, voilà, histoire d'un peu barrer. Bon, pour après ma balade mob, de roue de ce matin, je me suis un peu promené dans la halle, la grande halle. Je n'ai pas eu le temps de filmer, j'ai pu quand même profiter pour manger, là. Parce que quand j'ai fait le tour de la halle, je me suis dit, mince, il est quelle heure l'été, c'est déjà 13h30. L'heure passe, hein, l'heure passe. Voilà, c'est un peu le tour de Lucie, un tracteur tondeuse, voilà, complètement barré, on va bien se marrer. Allez, c'est continué. Allez, c'est parti pour la parade, tout le monde démarre là. C'est parti pour la parade.
Pas de problème. Il y a ta pote qui a un problème avec la... Ouais, je vois bien. Un tube c'est tout. Un tube ça suffit. Voilà.
Bon ben les passionnés, on est à bord d'un Renault Magnum, voilà, Renault Magnum, je vous mettrai un petit extrait de la vidéo. Et je suis en compagnie de Michael, voilà, qui conduit le Renault Magnum. On a juste le tracteur, il n'y a pas de remorque à l'arrière. Et il va nous faire présentation de l'association. Voilà, parle-nous de l'association, Michael. Alors l'association s'appelle On Truck. On Truck a été créé pour partager la passion du camion avec les personnes en situation de handicap. Et donc on leur propose des petits baptêmes d'une dizaine de minutes pour qu'ils aient le plaisir de découvrir ce que peut vivre un conducteur routier. Et l'association a été créée en 2019. Elle s'est un peu arrêtée à cause du Covid. Et là, on est sur différentes sorties et différentes manifestations spéciales camions, donc les truck shows. On défile sur le circuit de Manicourt et puis des 24 heures du Mans. D'accord. Et c'est vrai que l'association est unique en France. Hein, donc voilà. Ok, c'est noble, une cause d'handicap et puis justement on va découvrir un peu ce petit parcours de 10 minutes là. Ouais. Ok, bon voilà, il y a encore des meubles qui passent. On est bien au cœur du Roc à Biette, toujours. Voilà. Et puis c'est l'occasion de découvrir cette petite balade en tracteur de camion, de semi-remorque. Se rendre compte qu'il y a beaucoup d'angles morts hein, et il faut vraiment avoir les yeux partout parce que l'accident est vite arrivé. Hein, Oui, et puis aussi l'histoire des dimensions qui ne sont pas les mêmes aussi. Voilà, donc c'est vrai que quand on a la remorque, on peut monter jusqu'à 44 tonnes et mesurer 16,50 m de long. Et donc il faut vraiment tout anticiper, et tout ce qui va être freinage, parce que ça arrête pas comme une voiture. Et aussi la longueur des camions, c'est une norme européenne, on ne peut pas dépasser une certaine longueur, c'est normé. C'est ça, ouais. Donc d'accord, on fait 2,55 m de large et 16,50 m de long. D'accord, ok. Bon, là, il y a une passagère, il faut vraiment faire de l'écart. La balade mob qui a été faite ce matin. Donc, ce matin, je suis redescendu par cette route, par la balade mob de ce samedi. Voilà. On l'a fait en dans l'autre sens, mais cette fois-ci en tracteur de camion. Voilà. Tracteur de semi-remorque. Je sais pas, est-ce que ça peut exister des caméras de recul sur des semi-remorques? Oui, ça peut exister. Ça peut exister, ok. Ça peut exister, voilà. D'accord, ok. On a un écran ici. Mm-hmm. Oui, parce que maintenant, il y a de plus en plus de technologies qui s'implémentent dans les camions. Et je sais, par exemple, le système de détection d'obstacles, c'était d'abord peut-être une exclusivité sur la marque Volvo, qui a été implémentée après sur les voitures. C'est ça, exactement. Ouais. En fait, bien souvent, tout ce qui arrive sur les voitures sont d'abord essayés sur les camions. D'accord, ok. C'est intéressant, ouais. Les franchissements de lignes, les détections d'obstacles. D'accord. Tout ça, c'est essayé d'abord en premier sur les camions. Camions avant d'être implémenté sur les voitures. Sur les voitures. Pardon. D'accord, ok. Juste une petite question pour ma curiosité. Quand on entend des lâchements de soupapes sur le camion, c'est quoi? C'est un dessiccateur. D'accord. C'est pour éviter d'avoir de l'humidité dans les bouteilles d'air. D'accord, ok. Et c'est rapport au système de frein? C'est ça, voilà. C'est le système de frein, d'accord. Le siège, la boîte à vitesse, enfin tout marche par ailleurs. D'accord, ok.
Ok. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent ces bruits des pshhh, oui. Et on se demande qu'est-ce que c'est, puisqu'on n'a pas l'expérience de conducteur de camion, donc... c'est bien, bon ça va. Et tu m'as dit, tu peux répéter comment ça s'appelle? Un dessicateur. Un dessicateur? Ouais. D'accord, ok. Et ben je mettrai une infobulle, qu'est-ce que c'est un dessicateur, voilà, un peu plus technique. Mais c'est moi à savoir, quoi. Bon là, on est revenu sur notre point de départ. Un petit tour. Ah ouais, ce qui serait bien, c'est aussi de filmer le système de comment on monte dans la cabine. Oui, bah je vais faire ça, ouais, je vais faire ça. Passionné, je t'ai montré le petit tour en camion et pour accéder facilement pour éviter de grimper comme un fer routier, ils ont mis une petite rampe d'accès avec la remorque du SMI. Voilà, on est à l'intérieur de la remorque du SMI, voilà, qui est attelé au tracteur qui est juste là. Oui, on appelle ça un tracteur, ça peut paraître étrange, mais c'est un tracteur de SMI remorque. Voilà. Donc on en arrive par ici, voilà, par ici. Et puis et voilà, et on accède au camion, à la cabine avec cette petite passerelle pour arriver aisément dans la cabine. Voilà. Puis s'installer derrière, voilà, avec les places qui sont là, ou devant, côté passager. Et puis vous avez le conducteur qui se met juste là. Voilà. Donc merci à eux, merci à l'association Hand Truck, voilà, Hand Truck. Voilà, je ne sais pas si on le voit ailleurs, voilà, Hand Truck. Voilà, merci à eux, voilà. Puis voilà, grâce aux dons récoltés, ça permet d'aider les personnes en situation de handicap. Merci à eux. Et merci Mickaël. Merci, à bientôt. Allez, on continue le Rocabillette. Bon bah tiens, j'ai croisé Julien, le président du Rocabillette, enfin de l'association qui organise le Rocabillette, un Néo Rétro 1977. Et il m'a parlé de ce petit délire là. En fait, c'est une carrosserie de voiture sans permis, mais fixée sur une espèce de carte tout terrain en fait. Voilà. Tu vois un peu la mécanique, voilà. Je te montre un peu à l'intérieur. Voilà. Regarde, tu vois, il n'y a même pas de châssis. Enfin, il n'y a même pas de fond de plancher, on va dire plutôt. Il y a un châssis, mais complètement mis à l'air. Voilà, ce délire. 49,9 en référence à la cylindrée. Là tiens, là la Diane pick-up qui arrive. Et il y a Sylvain qui est là. Avec la petite Mavix qui est dedans. Voilà. Voilà. Il y avait la garée juste à côté. La Diane pick-up. Là, voilà. Je t'avais montré ça en vidéo. Voilà. Tac. Voilà. Et pour faire le plein, c'est là. La Diane pick-up. Donc, pour revenir à ça, voilà. Donc, c'est une base de carte tout terrain, voilà. On a plugué dessus une carrosserie de voiture sans permis. Mais la couleur elle est vraiment sympa quoi. Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa. Tiens, microcar, ça c'est les microcar RJ49. Voilà. Voilà. Et tu vois le logo du Rocabillette de 2015, si je ne me trompe pas, ou 2016. Voilà. 2016. Voilà. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ils l'ont fait un petit peu évoluer le logo. Mais voilà le délire. Et franchement, il m'a montré le truc, il envoie du pâté. Hein. Ça, il avait monté ça sur un parking, il pouvait faire des têtes à queue contrôlées, des rabâches contrôlées, et franchement, ça marche bien. Voilà. Bon, voilà, c'était le petit délire que je voulais te montrer pour le Rocabillette. Voilà où je voulais aussi te montrer la déco intérieure, pas loin du concert, voilà, derrière les fenêtres, il y a le concert qui est là, un peu de la déco intérieure, avec des bornes d'arcade, les affiches des différents festivals de Rocabillette, voilà, notamment
Voilà, celle-là, c'est la toute première. Ça, c'est 2014. Ça, c'est 2014. Ça, c'est 2015. Ça, c'est 2019. À Autun, je l'ai pas fait. Et puis ça, c'est la dernière. Voilà, celle-là qui est là. Là, c'est la dernière. Voilà. Voilà, je vais un peu montrer la déco. Style intérieur avec des tables en formica, chaises en formica. Voilà. Petite déco qui fait penser à papy, mamie, enfin les années 60, les années 70, 80. Voilà. 70 plutôt. Encore des bornes, une borne détrice, une borne de tire-jeu, voilà, un canapé, voilà. Un baby-foot, voilà. Voilà. Bon, pour ma part, moi je voulais faire un concert, mais les deux balades, enfin la balade du matin plus la parade m'ont bien crevé avec la chaleur. Je vais plutôt montrer, je suis attendu pour un petit apéro, sinon tout va bien. Sur le camping de Issy l'Évêque, voilà. Le camping s'appelle les Portes du Morvan. Voilà, je vais montrer tranquillement. Et puis on se retrouve demain encore pour une balade. Et on continue le festival allez, jusqu'à 16h. Et après ce sera fin du festival pour moi. Je vais me retourner. Bon allez, on continue. Bonne soirée à tous. On vous en quelques secondes. Et pour moi, c'est demain. Allez, on continue.
Salut les passionnés, on est sur le troisième jour du Rockabillette. Donc là on se trouve pas à Luzy parce que le temps de partir du camping de Issy-l'Évêque et d'arriver à Luzy, et ben la balade a démarré aussitôt. Donc là je me trouve sur le Mont Beuvray, voilà le Mont Beuvray sur les hauteurs du Morvan, enfin des monts du Morvan, voilà. Donc je suis toujours avec mon Montrevissant Laboratoire. Et là, il y a tous les participants qui sont là. Voilà. Et j'en profite pour aller boire un coup. Tiens, allez, on va aller voir ça ensemble. J'en ai vu pas mal s'arrêter le bon du parcours. Donc ça fait assez nombreux comme baguette. Alors, où est-ce qu'elle est la boisson? Ah oui, c'est là-bas. Hop. Voilà, toutes les mobilettes sont là. Ah, et les boissons sont là. Ah bah faut en profiter. Allez, je vais boire un coup. Bon bah voilà les passionnés, je suis devant le Bibracte. Voilà. En fait, il s'agit d'une ancienne ville gauloise qui a été construite sur le Mont Beuvray. Voilà. Le Mont Beuvray. Voilà, et du coup, c'est un grand musée à ciel ouvert. Enfin, il y a aussi un musée couvert qui se trouve là-bas. Voilà, ce grand bâtiment. Et puis, il y a aussi un petit café-restaurant. Voilà. Mais bon, pour ma part, je vais reprendre le guidon. On va retourner direction Luzy parce que ça y est, c'est le point. C'était le point, comment dire, point pause. Bon, j'ai pas eu le droit de jus de fruits ou. Aux boissons sucrées, mais je me suis pris quand même des verres d'eau. Donc ici il y a le parking pour ceux qui veulent visiter. Et j'ai renfourché, comme je disais, je vais renforcer le guidon, enfin renforcer mon Solex. Et retour Luzy pour le Rockabillette Festival. Allez, on continue. Bon bah voilà les passionnés, ça y est, la balade est terminée. Je viens de manger, donc c'est bon, c'est fait. Il y avait du monde, hein. Et pourtant on était 13h46, un peu comme ça. J'ai dû attendre une bonne demi-heure avant d'être servi. Voilà. Et puis là, on est à l'intérieur de la grande halle de Luzy, voilà. Et du coup, aujourd'hui, il y a plus de voitures, tu vois. Beaucoup plus de voitures. Regarde le beau combi Volkswagen avec sa petite miniature qui est là. Voilà. Un peu plus de voitures. Je vais tourner un peu dans l'autre sens. On retrouve les voitures du Rockabillette. Le Brelon de Lyon qui va. Ah, le Citroën Visa décapotable. Hein. Regardez. Voilà, décapotable. La Visa est plutôt considérée comme la voiture du papy. D'ailleurs, j'ai mon papy à moi, le père à ma mère, qui avait aussi une Visa, mais pas décapotable, mais une Visa crème. Donc c'était vraiment la réputation du voiture de papy. Donc aujourd'hui, plus de voitures. Voilà. Ah, une Peugeot. C'est dommage, on ne sait pas le modèle. Moi que ce soit marqué devant. Ah oui, tiens, 204, voilà. Un peu plus de voitures aujourd'hui. Voilà. Volkswagen, voilà. Ah, Indian, non, pardon, une AMI 6, voilà. Une AMI 6, voilà. Ah, la XM, ah oui, maintenant c'est vrai que ça devient collector, hein, la XM. XM, voilà. Renault 6 TL, voilà, et une coccinelle FG de la. Ah non, du film Un amoureux coccinelle, Choupette. Ah, Choupette. Ah, bah tiens, j'étais passé à côté. 205 Rallye. 205 Rallye. Voilà, avec les vraies ceintures. Voilà, les tapis, les feux rouges, je sais pas si on va bien, les feux rouges, voilà. Une vraie, tiens, même au volant, il y a le logo Peugeot Rallye. Voilà. Ça s'appelle le voilà. 205 Rallye. Là, on voit mieux avec les ceintures rouges. Voilà. Il y a plus de voitures aujourd'hui. Voilà. Et puis je vais aller voir les quelques animations. Puis après, je vais me rentrer. Je vais rentrer parce que je repars sur mon lieu de vacances. Voilà. Allez, on continue. Voilà, regardez. Voilà, Titi, tu peux me rappeler.
rappeler le nombre de lancers, s'il te plaît? Le quoi? Le nombre de lancers. C'est 4 par personne, faites-vous plaisir, 4 par personne, on y va. 3, 2, 1, c'est parti! La course 3, 2, c'est parti! Si j'en vois un poser le pied par terre, il doit attendre 2 secondes. Et... Ah non, 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 vas-y, continue. Ah non, tu dois avancer, tu dois avancer. Bah les gars, bah tu recommences pas depuis le début, c'est bon. Non, 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 non! Guéluche, il a rien quand même. Guéluche, là, reviens là, toi. Reviens là, Guéluche. Ah, stop, là, t'étais plus loin. Là. Vas-y, c'est bon, allez-y. Toi, vas-y, vas-y. Vous êtes tous, vous êtes nuls ou quoi? Mais vous mettez tous les pieds par terre. Mettez-vous plus. J'ai une fois. Mais ils mettent tous les pieds par terre. Bastien, vas-y, tu dois repartir, allez, allez, tout de suite, non? Mais, voilà. Ça triche, ouh! Ouh, il triche! Le problème, c'est que si je les élimine quand ils mettent le pied par terre, bah, la finale va vite être là, parce que regardez, ils se mettent tous le pied par terre. Mais c'est le dernier éliminé, il y a l'arrivée, c'est que si les gardiens sont partis, il faut avancer. Ok, on fait ça. Guéluche, t'as perdu. Guéluche, t'as perdu. 3, 2, 1, top. Voilà les passionnés, c'est le pit stop mode. Hop, un instant, un instant. Voilà. Le but, c'est de démonter le moteur et de le remonter dessus, de repartir et de franchir ici. Voilà. Non, a... ouais, vous montez maintenant, vous montez. Ah oui, la roue avant aussi, voilà. Ils l'ont fait. Le moteur, ah non, ils ont fait la roue, ok. Le moteur, posez-le sur la table avant. Je pensais qu'il n'y avait que le moteur, non, il y a la roue avant a changé. Pas changé. Montage et remontage, et puis remontage du moteur. Voilà. Ah, faut tenir aussi la mobilette. C'est pas évident. C'est bon, c'est bien, vous pouvez y aller. C'est la victoire, s'il vous plaît, c'est la victoire. Bravo, bravo, bravo. Bon ben voilà les passionnés, c'est ainsi que s'achève la vidéo des 3 jours, enfin 2 jours et demi, puisque ça a commencé vendredi soir, du Rockabillette 2024, les 10 ans d'existence, hein, la première édition a eu lieu en 2014, je le rappelle, j'étais là aussi pour la première édition, pour aider Julien sur la partie course de Solex, voilà, il y avait une course de Solex sur les 3 premières années, 2014, 2015, 2016, voilà. Et donc j'avais donné un coup de main et puis j'avais fait aussi bien contrôleur technique pour cette course. Et donc voilà, c'est ainsi que s'achève mon week-end au Rockabillette. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prochaine vidéo, barre d'attraction, Trips Drill et après seulement Chamblay. Voilà, Chamblay avec le Cholex 2024. Allez, à plus. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.